Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. RPGED 2021, jour 16, avec le mot déplacé. Pour moi, ce mot évoque les grands voyages des grandes épopées fantasy, comme notamment Le Seigneur des Anneaux, avec euh, euh, le voyage de la Compagnie de l'Anneau pour aller jeter l'anneau dans la Montagne euh, du Destin. Euh, on se rend compte, à la lecture du, de ce genre de, de grandes... Euh, de, de grands romans fondateurs, que le voyage du héros euh, a une place euh, prépondérante et que l'aventure n'est pas nécessairement à l'arrivée, mais que l'aventure est le voyage lui-même. C'est quelque chose qu'on qu minimise peut-être dans certaines parties de jeux de rôle, où les voyages sont euh, pris en compte sous forme d'ellipses c'est un voyage du point A à un point B, un voyage en, en hypersommeil pour les jeux de rôle de science-fiction style alien, ou un voyage rapide en hyperespace pour Star Wars. Pourtant, au cours des voyages, il peut se passer énormément de choses, des péripéties, certes, mais aussi euh, de l'introspection euh, pour les différents protagonistes de l'aventure, ou même des moments où les, les héros vont pouvoir enfin, les, les personnages vont pouvoir se poser et discuter entre eux euh, de choses et d'autres du but de leur, de leur voyage, de leur motivation personnelle, euh, vont pouvoir aussi tisser des liens entre eux, et rencontrer aussi des, des communautés, des PNJ intéressants, euh, découvrir la faune et la flore euh, d'une planète ou euh, d'une contrée inconnue. Euh, voilà, donc c'est pour moi, voilà, le, le voyage peut être une vraie aventure en tant que telle, et pas simplement euh, un déplacement euh, d'un point A à un point B, ou euh, quelque chose qui existe entre une scène A et une scène B. Voilà, donc, il y a déjà pas mal de jeux qui exploitent euh, le thème du voyage, qui proposent euh, des tables de, de rencontres ou des tables aléatoires permettant de, de créer des péripéties ou des événements sur le pouce. Mais il y a également des jeux qui proposent, euh, je pense notamment à Iron Sword, euh, des moves spécifiques au voyage et qui permettent de simuler euh, cette partie de l'aventure qu'on minimise trop souvent. Voilà. C'était euh, ma réflexion sur le mot déplacé pour ce 16e jour du RPGED 2021. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à la laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.